Compte rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 11e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir communication du président de la République, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen des dossiers et examen et adoption d'un texte. Point 1. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République comportait 3 points principaux, à savoir 1. L'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Nyiragongo dans le Nord Kivu vient de démontrer le savoir-faire de ces corps de l'armée pour les travaux d'infrastructure. L'impliqué contribuerait à coup sûr à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée. La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la confiance et permettra à l'armée, au-delà de sa mission de défense, de contribuer aux efforts de reconstruction. 2. La renégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société Emirati Dubai Port World au sujet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. Pour ce faire, il a décidé de mettre en place des outils nécessaires à la parfaite mise en œuvre de ce projet stratégique. Et un nouveau comité de suivi comprendra les délégués de la présidence, du gouvernement, ainsi que les experts en la matière. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'obligation pour le gouvernement d'encadrer toutes les activités autour du cannabis. Le président de la République a rappelé au gouvernement l'obligation et la nécessité d'encadrer toutes les activités autour du cannabis, cette plante médicinale destinée à des besoins médicaux. Ceci pour éviter que l'exportation non transformée de cette plante ne se confonde au trafic des drogues. Un cadre réglementaire avec des mesures strictes doivent être définies par les ministres sectoriels concernés pour prévenir tout type de trafic. Au chapitre 2 du Conseil des ministres des séjours relatif aux points d'information, présentant l'état du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est revenu sur quelques faits saillants qui ont caractérisé le pays cette dernière semaine, parmi lesquels la déchéance du gouverneur de la province de l'Équateur, le 7 juillet dernier, par 13 députés provinciaux réunis dans un bar à Mbandaka, en violation du règlement intérieur de cette assemblée provinciale. À ces sujets précis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a rassuré que des instructions ont été données aux principaux animateurs de ces institutions provinciales afin de préserver la paix, la sécurité et la tranquillité. Ils ont été invités à Kinshasa pour consultation avec la hiérarchie. En ce qui concerne la montée de la criminalité et du banditisme en milieu urbain, phénomène observé dans les provinces du Congo central, Kinshasa, Haut-Katanga et les Lualaba, toutes les autorités responsables des provinces susmentionnées ont été invitées à Kinshasa pour évaluer et chercher des réponses appropriées à cette situation. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, a présenté la situation générale du pays qui demeure relativement calme et sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce,
en dépit de la persistance des poches d'insécurité dans la partie est, notamment à Beni, où règne une psychose résultant de l'activisme des terroristes ADF-MTM et leurs supplétifs ou complices Mai Mai. Il en est de même dans une partie de la province de l'Ituri, où une frange d'ADF, fuyant la pression militaire de forces loyalistes dans le Grand Nord, ainsi que le groupe armé Codeco, ne cesse de perturber l'ordre public. D'après les rapports reçus des gouverneurs militaires, les ADF-MTM se livrent aux actes terroristes dont sont victimes non seulement les paysans isolés dans leurs activités, mais aussi tout autre compatriote se trouvant dans les secteurs. L'ennemi profite également des divisions ethniques et des conflits intercommunautaires pour semer la mort dans la population. Face à cette situation, les populations sont sensibilisées à se désolidariser de ces terroristes et à vivre en harmonie avec les autres communautés. Aussi, des appels vibrants sont lancés aux leaders communautaires de joindre leurs efforts à ceux des forces de défense et de sécurité pour faire échec aux manœuvres macabres de ces terroristes bien connus. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a aussi salué la signature cette semaine de l'ordonnance numéro 21/038 du 4 juillet 2021 portant création du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. La mise en œuvre de ces programmes va accélérer la prise en charge de plusieurs centaines de miliciens qui se sont rendus depuis la proclamation de l'état de siège. Au point 3, toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils de ministres de la diminution progressive de cas de contamination résultant de la mise en œuvre de mesures prises par le gouvernement pour lutter évidemment contre la pandémie à Covid-19. L'intensification de la sensibilisation au respect des gestes barrières ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination permettent au gouvernement de contenir la progression de la troisième vague et d'améliorer nos indicateurs dans la lutte contre la propagation du variant Delta. À la suite des dénonciations des faux résultats de faux négatifs à Covid-19 faites par certains partenaires de l'État congolais, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé avoir tenu une séance de travail le 7 juillet dernier avec les différents responsables des laboratoires des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Au terme de leurs échanges, il a été convenu de faire un état de lieu rapide sur les laboratoires Covid-19, de mettre en place une base de données en ligne, d'élaborer une circulaire avec les directives bien précises, de permettre à l'UNRB de prendre le lead de contrôle qualité de laboratoires effectuant les tests Covid-19 et de rendre accessibles les tests Covid-19 dans les centres de santé étatiques périphériques avec la possibilité de partenariat public-privé. Il a aussi, le ministre de la Santé, rencontré les responsables des morgues de la ville-province de Kinshasa pour échanger autour des difficultés des fonctionnements qu'ils rencontrent. Parmi les recommandations émises figure la rédaction d'un projet de loi sur la réglementation de ces activités. Profitant de l'occasion, le ministre de la Santé a également évoqué les évolutions quant à la menace des grèves des personnels médicaux non médecins et administratifs. Au regard des résolutions adoptées au terme de la réunion du 6 juillet dernier avec les différents syndicats, le secrétaire général du ministère à la Santé publique, Hygiène et Prévention va signer dans les prochains jours des notifications pour les médecins régents et juniors promu par les décrets du 22 janvier 2019 et très prochainement, le président de la République, chef de l'État, promulguera l'ordonnance portant nomination des médecins revêtus des grades, résidents, chefs cliniques et médecins généraux. À son tour,
le ministre de l'intégration régionale, pour clore ces points de points d'information, a livré au Conseil des ministres les informations relatives à la tenue prochaine à Kinshasa du 21 au 23 juillet 2021 de travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, Ouganda. Les travaux préparatoires ministériels irrelatifs sont en cours de finalisation du côté congolais. Il a également précisé que ces assises visent à accélérer la mise en œuvre des décisions adoptées lors de la 7e session, entre autres la réglementation de la pêche sur les lacs Albert, le renforcement des efforts de coopération afin de détecter et riposter contre l'épidémie d'Ebola et la pandémie de la Covid-19, la construction de la ligne d'interconnexion Beni-Bunia-Butembo-Ouganda de 400 kV et des postes à haute tension. Le Conseil des ministres a pris acte de ce point d'information et a chargé le ministre de l'intégration régionale d'approcher les ministres sectoriels impliqués sous la coordination du Premier ministre pour une meilleure préparation de ces assises. Le chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour a concerné l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 10e réunion tenue le vendredi 2 juillet 2021. Au chapitre 4, examen et adoption des dossiers. Premier point, des mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles, forêts, au regard des enjeux et défis écologiques de l'heure. Dans les soucis d'assainir la gestion du secteur de l'environnement, d'instaurer la bonne gouvernance et de mettre en œuvre la stratégie d'élargissement de l'assiette fiscale permettant la mobilisation des recettes dans ces secteurs, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a présenté au Conseil des ministres 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles, forêts, au regard des enjeux et défis écologiques planétaires de l'heure. Regroupées en deux principaux axes, changement climatique d'une part, crédit carbone, et de l'autre, gestion des forêts, les dites mesures préconisées portent sur l'institution de la taxe carbone, la création de l'autorité des régulations du marché de carbone, le lancement des études en vue de l'élaboration de la politique nationale sur le changement climatique et l'adoption d'un cadre légal irrelatif, la tenue des États généraux de la forêt de la République démocratique du Congo et poursuite de l'opérationnalisation du Conseil consultatif national des forêts, l'élaboration d'une politique forestière nationale pour la République démocratique du Congo, la révisitation des concessions forestières octroyées à ce jour, l'institution d'une commission chargée d'examiner la situation des bois rouges abandonnés et ou stockés dans l'ex-province du Katanga, la levée du moratoire en cours en matière d'octroi de titres d'exploitation forestière, la prise d'un arrêté interministériel portant suspension de l'exportation de toutes essences de bois d'œuvre en République démocratique du Congo. La conciliation des données statistiques entre les services qui interviennent dans les secteurs de l'environnement, DGDA, OGFREM, OCC, DGRA, DGI, etc. Dans ces développements, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a précisé que ces mesures sont motivées par le souci d'améliorer la gouvernance environnementale et de mettre la République démocratique du Congo au même diapason que ses pairs, au regard du contexte global dominé par les changements climatiques et les enjeux politiques, économiques et financiers qui en découlent. Après débat et délibération, ces 10 mesures ont été adoptées par les conseils de ministres. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a soumis au Conseil des ministres son projet d'organisation d'un atelier d'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol géoréférencé en République démocratique du Congo. Cette démarche partira d'une collecte de données par une approche participative, inclusive, dynamique et interactive avec l'implication des structures représentant plusieurs ministères sectoriels et les provinces. Il sera question notamment
d'établir pour chaque ressource naturelle sa localisation, son potentiel commercial, sa qualité et teneur, les chaînes de valeur existantes et les acteurs impliqués dans l'exploitation. Le ministre d'État a expliqué que la production de cet annuaire multisectoriel est l'une des stratégies définies conformément à la vision du président de la République pour lutter contre les inégalités socio-économiques par l'essaimage de l'exploitation, de la transformation, et de l'utilisation et de la commercialisation de nos ressources de manière à codifier, implanter et administrer les développements durables et harmonieux du territoire national. La deuxième phase de cette activité, a-t-il soutenu, concernera la certification de nos ressources naturelles par des structures internationales spécialisées en la matière. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a soumis les dossiers pour harmonisation avec le ministre sectoriel concerné dans une commission ad hoc qui sera présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement avant son adoption à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le point 3, relatif au plan d'industrialisation. Le ministre de l'Industrie a soumis à l'approbation du Conseil des ministres le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Ce plan propose un nouveau modèle économique et industriel. L'orientation de la politique industrielle du gouvernement vise la substitution des importations par la production locale, étant donné que leurs factures pèsent lourdement sur notre économie. Le plan directeur d'industrialisation a soutenu le ministre de l'Industrie, priorise l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimico-pharmaceutique et l'industrie textile, en vue notamment de réduire la facture d'importation de plus de 2,5 milliards de dollars. Cette priorisation s'est justifiée par l'impact à court terme que comportent ces industries susceptibles de stabiliser l'économie nationale. Trois étapes sont prises en compte dans la schématisation de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. 1. La dynamisation des industries existantes et création des unités industrielles nouvelles. Accroissement de la part de l'industrie manufacturière au PIB et à l'emploi. Enfin, construction et développement des zones économiques spéciales et des parcs agro-industriels. 2. Attraction de nouveaux capitaux et amélioration de la productivité industrielle, création progressive des parcs industriels et transformation profonde de la structure de l'économie. Appropriation de la technologie et production des nouvelles connaissances, création de parcs spécifiques et technologiques. Les pistes de financement de ces plans directeurs d'industrialisation y sont également reprises. C'est le cas du partenariat public-privé, des conventions de collaboration, les investissements publics et privés. Avant de clore son propos, le ministre de l'Industrie a rappelé que l'objectif de la densification industrielle à travers les espaces industriels est de ramener dans la décennie 2020-2030 notre produit intérieur brut à 100 milliards de dollars pour un budget de l'État devant se situer à près de 25 milliards de dollars avec une pression fiscale à 25% qui rencontrera cette fois-là la moyenne africaine. Après débat et délibération, le plan directeur d'industrialisation a été approuvé par le Conseil des ministres. 5 et dernier point du Conseil des ministres de ce jour. Examen et adoption d'un projet de texte. Avant de présenter le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a tenu à rappeler au Conseil des ministres que l'état de siège instaure un régime exceptionnel dérogatoire au droit commun, comme le spécifie l'article 156, alinéa 2 de la Constitution, au terme duquel l'action répressive des juridictions militaires est substituée à celle de cours et tribunaux. C'est dans ces sens que s'exprime l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège.
pour en faciliter la mise en œuvre. Au regard de difficultés enregistrées, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris une circulaire portant organisation des cours et tribunaux, ainsi que des parquets y rattachés pendant cette période de l'état de siège. Et ce, en vue d'une couverture judiciaire maximale dans ces deux provinces. Les magistrats civils, qui ne connaissent plus les dossiers répressifs, pourront venir à la rescousse de leurs collègues militaires, là où il apparaît une carence de magistrats. Ensuite, elle a présenté au Conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une période de 15 jours prenant cours le 20 juillet prochain. Ce projet de loi a été adopté. Commencé à 11h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h40.